Allez, Chocobo! Et coucou Zareman, coucou YouTube! C'est parti pour un petit peu d'Elden Ring. J'espère que vous avez le café, tout ça, tout ça. Hop, hop! Alors, continuer. On avait fait quoi avant-hier? On a fait le boss lion, là, la chimère léonienne. On a essayé de faire le boss principal, mais on a vraiment pas réussi. Hein. On a réussi à avoir la P2. Mais après, il nous défonce trop la gueule. Du coup, on était venu là, parce que je me souviens pas si j'ai fait cet endroit. On va voir si on l'a refait. Là, il y avait un boss, mais je crois pas que c'est un boss avec une barre de vide. Je me souviens hein, de ce que c'était. Le truc, c'est qu'il y a aussi le puits de Siofra qu'on avait fait en mode « Je cours, je ramasse les choses, mais je bute rien parce que ça faisait trop mal. » Et là-bas, il reste un boss qu'on n'a pas fait de toute façon. On pourrait aussi aller là-bas. Après, ici, on n'a pas l'air d'avoir trop farfouillé. Donc je me disais qu'on pourrait faire cette zone aujourd'hui. Et voir un peu ce que ça donne, si on a des trucs. Faudrait que je regarde Red. Cela comme ça, j'ai regardé sur le moment, mais... Faudrait que je regarde pour... attaquer. Après, tu sais, avec le... Comment ça s'appelait la race de loup qu'on a découvert, que j'ai découvert il y a pas longtemps. Tu sais, ça ressemble un peu à un loup-renard, tu vois, donc tu peux faire un renard-loup, enfin. Je trouve que le renard et le loup, c'est un petit peu cousin. Hein. Je sais pas. Le loup à crinière, voilà, chercher le nom, merci. Ah oui, ici, on avait le gros boss. Ça, on l'avait fait, le boss. Vous savez, vous vous souvenez, c'est le boss sur le bateau. L'avait fait. Je sais pas s'il y avait un truc à faire. J'ai mis un truc. Et le crâne. Il y avait un truc. Il faut une clé. Ok, il y avait bien un truc ici. Bon bah c'est parti. Et j'avais pas de clé à mon avis à ce moment-là. C'est bizarre, il y a des tortues. Alors les tortues, normalement c'est pas méchant mais quand c'est mis comme ça je me méfie. Oh oh. Piège ou pas piège? Objet. Talisman de tortue verte. Ok. Il me donne un truc comme ça sans que je me batte. Accélère la récupération d'endurance. Ah, c'est excellent comme endroit. T'as plein de tortues et t'as... Ok, bon bah au moins on a récupéré ça. Je peux l'enlever. Ah. Est-ce qu'il y a des choses ici que je pourrais... Bah normalement les tortues sont pas méchantes. Tu peux les tuer pour leur viande, mais après on sait jamais. Hein. Mais c'est juste le domaine de la tortue. Ah bah c'est possible, ça peut arriver. Hein. Je me méfie aussi, t'inquiète. J'arrive vers le numéro 3. Une fois par là.
C'est passer par la hauteur, normalement c'est par la hauteur, ouais, si. Enfin. En vrai, il y a tellement de choses là, c'est bizarre niveau hauteur. Là, il y a un gros mob. Il y a un gros château là-haut. Si. Après, j'avais dit qu'on faisait pas encore cette zone, donc on va plutôt aller là-dessus. Et le temps qu'ils réagissent, j'ai mis la moitié des coups. Ça va, il réagit pas très vite. Il m'a donné 1000 dames quand même. Ah oui, je voulais regarder. Ouais, c'était bien ce qui me semblait. Les boss s'y gênent. Faut me le dire, hein. Quand vous voyez pas ma barre de vie sur un jeu, vous me le dites. Le boss, je dois le bouger en fonction des jeux, donc. Ça devrait être pas mal comme ça. Bon, les, mes sorts et tout en bas, vous en foutez. Contre ma vie, en combat, ça peut être important. C'est quoi? Ah bah tout à l'heure Ed. Galerie de Gaël. Bonjour. Eh hey, c'est pas Alexander. Are you heading to the Festival of Combat too? No need to be coy with me. Judging by the fine wallop you gave the old backside earlier, I would venture you're something of a warrior yourself. Ça va, vous arrivez à tout lire quand même. Thought of such a festival gets the blood pumping. Now, according to my calculations, passing through this road should lead us to the Caelid Wilds. But, however you slice it, it seems we've reached a dead end. I'm sorry to have raised your hopes. It seems my calculations must have been off. I was created to be a warrior vessel. Many great warriors reside within me, ever dreaming of becoming a great champion. It's my destiny. And the reason for which I quest. It is my ordeal, you could say. To test myself, to better myself, fell ever greater foes. And then, one day, we'll be a single great champion. The greatest of them all. What do you think, eh? How do you rate my chances? Ah, j'espère qu'il y arrivera, hein? I was created to be a warrior. Faut vraiment arriver de l'autre côté. On peut ouvrir la carte ici. Ok. On peut pas faire ça, mais au moins on l'a découvert. Donc déjà ça se met sur la map. Après ça peut peut-être venir... En vrai ça peut arriver de derrière, mais si ça fait des trucs en colimaçon un peu bizarre. On peut se dire, bah ça arrive de là-bas.
Peut-être que ça arrive de là, genre là ça fait venir jusqu'ici. Mais peut-être pas du tout quoi. Ça fait plein de zigzags, les tunnels et... Après on peut essayer d'aller voir aussi hein, mais... Ça fait pas... C'est pas la zone qu'on avait dit qu'on ferait. Mais on va quand même aller voir. On sait jamais. Là, il y a une... Bâtisse. Oh oh. Pas bon signe. Oh, c'est joli par contre. Pas bon signe. Oh non. Allez. Pff, talisman du scorpion sacré. Donc ça c'est des PNJ rouges comme ça en fait, qui pop parfois, c'est pour vous montrer un peu, enfin c'est comme si en PVP en fait les joueurs qui vous envahissent sont comme ça. Mais là c'est des PNJ, c'est pas des joueurs parce que moi je suis pas en online, il y en a toujours quand même sur le jeu. Ça donne souvent un truc bien. Le scorpion. Augmente l'attaque sacrée mais réduit la résistance aux dégâts. Ah. Et y a un feu de camp derrière. Elle repop pas elle hein, donc une fois que vous l'avez fait c'est bon. Joli. Lumière rouge. Manuel de missionnaire. Manuel de guerrier nomade. Ça, c'est les manuels pour faire des choses, non? Oui, mais... J'ai plus! C'est ça. On va quand même se reposer, on a plus de popo. C'est pas ça qu'on cherchait en venant là à la base. Je vais quand même fouiller s'il n'y a pas une entrée seule. La truc elle doit être en zigzag. Du coup, on va d'abord aller vers Sofria et tout. Il y a une âme. Il y a un chien là-bas sur la route. L'ambiance sur cette map, sur ce coin de map, est assez étrange. Y'a quoi ici? Un truc caché ou pas?
Non. Il y en a d'autres qui jouent à Elden Ring aussi. Ah du coup l'healer pop. En vrai je les bute, ça fait pas mal d'âme, mais j'ai pas envie de les perdre. Coup en alicorne, bienvenue à toi. Ouais, j'achète des trucs avec, mais si je TP, il va repop encore. Ah bah cette fois-ci, il s'est pas laissé faire. Tout à l'heure, on l'a eu, il bougeait pas. D'avis qu'on a. Ah oui, on devait améliorer notre arme. Après, au pire, je pourrais me re-TP là, aux galeries, ça sera. Ça m'évitera de repasser sur. Bah, tranquille, et toi? Je vais faire ça au premier. En plus, j'ai trouvé des pierres de forge. C'est moins de choses à faire. Ah non, j'ai pas les bonnes. Chier. Je me pose ça sert vraiment à jamais. Pas trop. Tendre guerre, au final je m'en sers pas, mais j'aurais peut-être pu ce qui pourrait aller avec ça. Bah je me balade pour essayer de trouver un truc où pour faire les zones que j'ai pas fait à fond. Essayer de trouver un truc à mon niveau parce qu'on est bloqué sur un boss. Du coup, je me balade. Pas sur ma faux. Ouais. Apparemment, on peut pas en mettre sur notre faux. Oh, j'ai plus le nom. I am pleased to see you again. Would you like me to hold you once more? Je sais pas. The blessing is still a flame in your breast, dear. Would you like to be held? Regardless. Je sais pas. La dernière fois, je me suis sentie arnaquée. Pour le moment, on va pas faire. Je vais y réfléchir. C'est le boss qui est là-bas, mais je veux pas d'infos. C'est, y a toujours mes âmes d'ailleurs là-bas. Je finirai par l'avoir. Pour acheter celui-là. Ça j'ai pas assez. Comme ça j'aurai ça de plus à ma collection. Lui je l'ai déjà, lui je l'ai déjà. May the golden order shine. Ah, hello. You've been busy weeding Deathroot, I take it. I thank you as your brother in arms. So what can I do for you? Hmm. Acheter ça comme ça, elle a acheté.
ça, j'ai au moins acheté un truc. On n'a pas perdu si. Alors, on va se re-TP là-bas. On a découvert cette galerie. On va au pire, on retournera au puits de Biofra, finir. C'est pas vrai. C'est pas ça, non? Merde, c'est pas les bonnes galeries. C'est l'autre. T'es trompé! C'est quoi cet endroit? Ok, ok, ok. Ouais, bah ouais. Non, c'est un nouvel endroit qu'on n'avait pas. Attends, mais ça nous a mis... ça nous a mis à un autre endroit, c'est pas l'endroit de la mine non plus. Oh oh. C'est un nouvel endroit, ça. Parce que l'autre truc de la mine, c'était des trucs bleus. Ah, c'est pas les mêmes. Ah, on a un nouvel endroit. Oh, 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 par contre, ils font mal. Ah, si feu contre le feu, ça va... Ah, allez, étape! Mais comment on l'a eu? Ça nous a débloqué ce... Ah, ou Alexander, il nous l'a débloqué en même temps. J'ai level up tes vêtements. Je crois qu'il nous l'a débloqué en même temps. Alors on a trouvé ça. Ah, il nous a débloqué ça. Et je croyais qu'on était dans la galerie, mais non, l'autre galerie, elle est au nord. Génial. Je me sors. Merde. Putain! Arrête d'être bloqué partout. Putain! Portail est déjà assez merdique. Ça le brise, merde. Il y a plusieurs endroits. On a ça, on a... Là en dessous. Un peu coincé.
Oh non, pas un trompettiste! Je déteste cette trompettiste. Quoi? Et j'avais mon bouclier! Chier. J'avais mon bouclier devant! Même cru que c'était lui qui était mort. Hein. Tellement c'était improbable. Mal quand même ici. Hein. Eh ben, je sais que j'ai un malus. La succube. Putain, ah c'est pas vrai. Ils font mal eux hein. Peut-être partir en sorte de zone de feu. Ils me laissent pas le temps de taper un deuxième coup moi pour finir et sauter. À partir sur celui. Pour lui, une seule boule. Suffire. C'est bon. Faut se méfier hein, parce qu'ils font vraiment mal. Surtout les rouges. Oh oh! Ils m'ont vu. Petit coin, pas bon petit coin, pas dans les petits coins.
Et non, non, non. Oh putain, mais en plus tu peux pas annuler tes potions, c'est trop la merde. Mais sérieusement, j'ai une faux qui fait 4 mètres de long et ça le touche pas. Non mais vous foutez pas de ma gueule. J'ai autant de portée qu'avec mon épée, mais c'est fou quand même. Alors qu'elle est deux fois plus grosse qu'avant. Non mais, c'est pas possible. De galerie de merde. Aïe aïe aïe. Bon, ça va devenir trop dur là. Portée de merde. Ouais bah il sait pas s'en servir, j'ai plus rien moi. Et si normalement ça sert quand même pas mal d'en avoir une longue, mais là... Elle est pas assez longue apparemment. Toi tu viens là, je vais récupérer tes affaires. En plus, il donne des pierres de forge, lui! Oh putain! What? J'ai fait quoi là? Ouah, j'ai fait un truc trop bien! J'ai pas fait exprès, c'était trop bien! Je sais même pas comment j'ai fait ça. J'ai fait un truc de fou, les gars! Oh la vache! C'était de toute beauté. Moi je parle des deux. Mais putain. Merde, j'ai plus de mana. Pas le temps de popoter. Popote. Lui c'est un cracheur de je sais pas quoi, il allait aller faire son truc là avec sa lampe. Ah merde. Oh, j'espère pas mourir, j'arrive. Thank you.
Et allez, Chocobo. Désolé. J'ai complètement zappé que c'est aujourd'hui qu'il venait le colis. C'est un des deux colis pour l'unboxing Pokémon des défis du sub-bâton. Ça, je suis pas morte. Putain, mais je suis sur le jeu ou je suis pas. C'est bon, je suis sur le jeu. Ça va, je suis pas morte pendant ma course avec le. Alors. Il nous reste quoi? Et Gunnar. Signé, je vais avoir des mots de tête. Et tu me fais l'autre. Et rubrique ça, on revient en même temps. Peut-être la semaine prochaine l'unboxing ou la semaine encore d'après parce qu'il manque un colis. Il y en a un j'ai pris par la Fnac et l'autre par un card market donc. Enfoiré. Ok, lui c'est bon. J'ai enfin eu. Ouh. Du coup, t'as encore l'infirmier ou t'auras plus l'infirmier avec ça, tu vas être tranquille. Ah, je me souviens quand j'avais l'infirmier, moi aussi. Chiant. Par contre, quand ils avaient. Il y a une fois où elle n'est pas arrivée à l'heure, j'ai pas ouvert parce qu'après, ils allaient prendre l'habitude de venir n'importe quelle heure. Et comme moi, mes streams, ils étaient réglés par rapport à ça. Ils ont plus jamais été en retard du coup. Ça c'est trop chiant, tu leur dis t'es dispo que de telle heure à telle heure, tu t'organises et c'est ça que je détestais. Du coup je leur ai pas laissé le choix parce que sinon moi ça me foutait dans la... J'ai deux chemins. On fait peut-être d'abord là d'abord. Quoi d'abord? En juillet? Ah il faudrait que tu m'envoies ça en... En MP sur Discord, je vais regarder. Il y a des jeux qui vous tentent que je fasse, des jeux qui sont pas encore sortis, qui vont sortir, n'hésitez pas à m'en parler. Juste me prévenez pas le jour même, parce que moi je l'ai fait à la sortie, quoi, pour la chaîne. Comment ça va, Elka? Jolie strat. C'est quoi, jolie strat? J'ai fait. Ah, c'est cool. En plus, moi j'avais un infirmier, bon, ça, il avait peur des chats, alors je te dis pas avec Luna. Il était en panique, elle a reniflé son sac et il était là. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? J'avais l'impression d'avoir un tigre à la maison, tu sais. T'as quelqu'un qui a peur des chats, c'est un truc de fou. Oh oh. Ah, il y a un truc avec des tentacules. Je crois qu'on a un petit kraken dans le coin. Ah petit, c'est bien gentil. Bah tranquillou, tranquillou. J'ai découvert un endroit. Bah moi c'est le problème c'est que je peux pas parce que Luna elle gratte les portes sinon en fait et j'ai pas envie de perdre ma caution. Genre même pour aller pisser elle me suit hein. J'ai la famille sur la porte mais sinon la porte de salle de bain est tout le temps ouverte. Putain mais je peux pas y aller, il arrête pas de cracher son venin. Ah d'accord, d'accord River. Au moins on va savoir ses goûts. Et putain, mais il a trop de vie!
Et y'a quoi de l'autre côté? Parce que là-bas, ça pue du cul, mais violent. Sentai, hentai. Est-ce qu'il y a du Sentai hentai? Oh merde. Ça sent pas bon. Il s'est mangé le mur. Par contre, ils sont bien, ils donnent plein de pierres de forge. Réplique de grâce x5. Oh, ça doit exister. Et toujours une version en taille. Bah ouais. C'est comme le porno, il y a un peu de tout. Hein. Ah, c'est pour ouvrir la porte à mon copain. Alors déjà, on va ouvrir la porte à mon copain. Hey, salut copain! J'ai ouvert la porte. Good sir. Where did you spring from? Il y a une grosse bestiole. Dead end, I'm sure of it. What's going on here? A door from thin air. Well, stranger things happen at sea, or so I'm told. But onward to the Caelid Wilds. I suppose my calculations were right all along. You should head this way as well, friend. Là, il y a une autre porte avec un autre boss. Putain, mais il y a les tentacules man à faire et il y a ça. On va les connaître ça. Putain, pas les tentacules. Ah, oh. Scorpio. Action, il dit Yamete Kodasai, il nous laisse tranquille. Je crois pas. Bon, on est dans la merde. Vraiment. Parce que pour buter cette chose. Merde, il était pas dessus. D'accord, je me suis trompé de potion. Fuck. C'est un truc dégueu là. Le problème c'est que si je retourne en feu de camp pour récupérer les potions, c'est vénère. Au feu de camp d'en bas, j'aurais juste à buter ça ici, j'aurais pas à buter les gars là-haut.
Quoique, en fait, si ça fait quand même beaucoup de gars, il y a quand même beaucoup de chemin. C'est chier. Le problème, c'est que. J'ai besoin de beaucoup de magie. Et j'ai 6600 âmes. Il faut 8000, je sais plus combien. Pour monter d'un level. J'ai 8200, il me faut combien? Oh! Il faut 8214 et j'ai 8218. Je vais m'augmenter ma mana, vous vous souvenez, pour avoir le sort, on voulait plus de mana. Et il me semble normalement qu'il y a un feu de camp ici. Tu crois? Mana, c'est esprit, on est d'accord. Ouais. Passera à 90, il me faut 100. Pour utiliser un parchemin en particulier. Ça va être violent. Mais au moins, on a débloqué une porte. Eh, c'est beau quand même. Le problème, c'est que le problème de poster des vidéos, de faire des vidéos sur les trucs de triche et les poster sur internet, ça empire la triche. Parce que t'as les tricheurs qui vont voir comment on fait. En fait, quand vous faites des vidéos comme ça, faut les envoyer aux devs. Pas, faut même pas dire comment, ni pourquoi, ni comment. Enfin, moi en stream, quand quelqu'un commence à dire comment tricher sur. Comment les tricheurs ils font, il se prend un TO direct. Parce que à le balancer l'info, bah ça se multiplie parce que des cons il y en a partout. Donc. Faut vraiment pas dire comment ils font. Faut vraiment juste en parler aux devs. Parce que le problème, c'est que... Dès qu'il y en a qui savent qu'on peut tricher et faire ça et ça, ça, bah ils s'en donnent à cœur joint. Alors là, il y a un mec qui a une trompette. Toi, tu joueras pas de la trompette. Là-haut, il y en a un aussi, mais je sais pas s'il va me voir. Je peux le toucher. Il balance des trucs. Ah, j'ai cru qu'il allait mourir, alors je l'ai laissé faire, mais... Il est pas mort en sautant. Le truc c'est que j'essaie de pas trop utiliser ma magie, hein, mais Ah ok, bah c'est cool alors, si c'est un truc pour les devs, c'est cool. Là je suis obligée de balancer un gros sort de feu quoi. Allez merde. Mourir. Ah, pas morte. Tout va bien. Je regarde des vidéos bizarres, Red. Mais on va rien dire. Hein. Non, tu fais pas de trucs tuc 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 avec ta. Ah, je sais pas ce que tu fais avec ta lampe, mais tu la fais pas, ok. Théoriquement. Ah, mais j'ai quand même les deux à buter là. Oh putain, mais. J'adore quand t'as tes trucs qui passent à travers les murs et les mobs et les... C'est tellement logique. Ne crache pas de feu.
Oh. Non, je connais pas, moi j'aime pas vos trucs bizarres. Oh, j'ai eu un casque. Désolé les gars, hey, je peux pas être parfaite. Hein. Bon. L'achat. Déjà, on va récupérer, voilà, le truc qui nous intéresse. Au pire, si je meurs, j'ai récupéré le truc qui nous intéressait. C'est des pieuvres terrestres. Branche de viande blanche. Ok, lui il avait une arme sur lui. Au final, elle craignait plus la faux que le feu. Hein. Le feu ça lui faisait pas grand chose, mais en même temps c'est une pieuvre. Elle vit dans l'eau, blablabla. Il y a eu des lucioles. J'ai réussi, vous avez vu? Même pas de GG, rien. Peu. Ah, merci. Ah, je préfère, merci, Red. C'est tellement rare que je réussis aussi facilement. C'est vieux. Genre c'est quelle année votre truc là? Bon, qu'est-ce qu'on a eu comme arme? Ah, déjà j'ai eu ce casque là, soldat Radan. J'ai looté sur un mob. Et j'ai eu ça là. Yari. Ah c'est une lance. Dextérité et force. I set off to the festival at Redmain Castle on the southern edge of the Scarlet Rot blighted Caelid Wilds. Doesn't the thought just set your heart aflutter? J'adore comment c'est classe quand j'ouvre des portes comme ça. Petit dragon du magma. Ah, il est beau. Est-ce que si je balance des flammes ça le fait? Non, pense pas, hein. Aïe aïe aïe. Oh putain. Oh putain. Il me met trop cher. Oh putain, pas des dragons. Je vais lui mettre du feu. Ah bah d'accord. Si tu pouvais bien viser Silas, ça serait cool. Oh putain, 35 de dégâts. Mais bonjour, je fais pas de dégâts. Il est beau. Hein. Aïe 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 aïe, il me met trop cher. Oh oh, saute. Putain, il met des... Moi aussi je vais mettre de la lave partout par terre.
C'était un pire hommage, tu sais. Coucou, gars. Il m'a mis un coup de tête. Ok, c'est pas de notre niveau, hein. Il est encore plus fort que l'autre boss qu'on fait pas. Il est magnifique. Oh putain, j'ai marché dans la lave. C'est ma dernière popo de vie. Après lui je peux mettre toutes mes popos en vie mais j'ai mis que dalle en... En fait. Mais avec ma faute je mets rien. Après il me faudrait full popo de vie en fait. Oh, j'ai plus le temps de lire vos références, hein. Je suis désolée, mais là j'ai un dragon sur la gueule. Je m'excuse, mais comment dire, hein, je voudrais pas finir cramé. À mon avis, il faudrait plus de popo de vie. J'enlève les popos de mana, ça sert à rien avec lui, le feu. Que des popos de vie, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait pas mal. J'ai levé le prêt des Ever. Cette fiole de vie, allez, 8 avec l'autre. Un extincteur, s'il vous plaît. Y'a pas un extincteur, mon gars? Bonjour. On se retrouve. Ça est manqué, hein. En même temps, on aurait dû se douter qu'il y a un autre dragon, hein. C'est pas le premier qu'on croise. Par contre, l'autre, on n'a pas réussi, hein. L'autre, il nous a one-shot, alors... Je suis bloqué, il y a des flammes de partout. J'ai pu récupérer mes âmes, mais bon. Couchez, couchez les toutous, couchez les toutous. Oh. Oh. Qui met pas des coups de queue, ça va. Aïe. Ah, mon bouclier a pris, a repris le dessus. Quoi? Il m'a one shot. Il a fait un truc avec sa bouche et je suis morte. Ah, ça promet celui-là. Là, justement, il met pas de coups de queue, lui. Dans Monster Hunter, j'aurais pris un coup de queue. Et là, il a fait un coup de fousse-roda, je sais pas trop. Et là, il veut pas toucher avec sa banane. Bonjour, petit dragon. Les garçons, ils disent n'importe quoi. Ah, gentil, je voudrais reprendre mes âmes, c'est possible? Ah, merci.
Quand même, 2700 âmes, pour moi, c'est beaucoup, tu sais. Ok, je m'en vais. Je voulais pas t'embêter. D'accord. T'as un truc dans la bouche. Oh oh oh, 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 mais c'est infâme. Si je me fail, je meurs. Il m'a vomi dessus. Pourquoi? Pourquoi est-il si méchant? Tu veux pas m'aider toi là, monsieur Jarre là? Allez Alexander, viens, ramène tes miches. On a un dragon à buter. Moi je vote pour la piñata. Bien sûr mes âmes sont en dessous lui. Hein. Je fais comment pour les récupérer? Bah c'est bon, bon. Je peux pas les récupérer. Et voilà, je suis allé dedans. Mais putain, je suis en train de me soigner, tu peux pas me retaper, c'est interdit. Mais saute avant toi. Ah, il a encore fait son Fusroda là, c'est pas sympa. Maman, j'ai peur. Ouf, merci le bouclier. Ouais, ça c'est inutile là que j'ai amélioré mon bouclier. Je me disais que je l'avais fait pour rien, mais en fait non. Gentil, couchez le lézard. Voilà, crache du feu pendant que je t'attaque par derrière. Oh putain. T'es pas censé te retourner. Là, tu marches dans ton vomi. Faut pas faire ça, c'est pas bien. Dégueu. Oh mais je l'aurais jamais, il a une barre de vie, mais elle est monstrueuse. Je peux pas le toucher. Ah putain, je peux pas l'approcher, il y a trop de lave. Oh putain, mais je la vois pas. J'ai la caméra centrée sur lui, putain de merde. Comment dire? Est-ce que j'ai un truc ignifuge? J'ai pas un sort ignifuge. Je veux une tenue de pompier, s'il vous plaît. J'ai pas un sort anti-feu. Non, ça c'est quoi? Nuage de poison. La 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 la. Résistance aux dégâts magiques. Ah! Résistance aux dégâts de feu! Je savais bien que j'avais un truc. Bon, on va faire ça. On va faire résistance aux dégâts de feu. Et on va prier. J'avais bien que j'avais acheté ça. Quand j'avais vu ces sorts là, je les avais pris en mode ça me sera peut-être utile un jour. Et le jour est arrivé. Coucou Célène. Red. Voilà. Par contre, ça résiste pas au coup, hein. Oh mais putain, mais espèce de... Non mais... J'étais bloquée dans lui! Bordel de merde. Ah, t'as pas le temps de faire le sort de feu. Est-ce qu'on peut faire le sort de feu? Je peux peut-être faire avant de rentrer. Je sais pas si ça compte si je fais avant de rentrer. Vous croyez que ça compte si je fais avant? On va voir. J'ai encore le bonus avant. Ah ça, j'ai encore le bonus. Bah ouais, t'as bien vu. Ouais, le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Aïe. Oh putain, joli. Joli bouclier, mon cher Silas.
Putain, mais elle est pas encore assez longue. Il en faut une plus longue. Oh putain, mais... Mais je suis coincée encore! C'est pas possible, tu prends toute la place! Je peux faire un régime! Ah là 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 là... Mais il fait la taille de la grotte limite, comment vous voulez que je m'en sorte? J'y ai mis un coup, c'est lui qui m'a tapé. Tu te fous de ma gueule là, mon vieux jeu. J'ai tapé, c'est moi qui ai pris un coup. Arrête de te retourner! J'y arriverai jamais, c'est impossible. Encore, je ferais plus de dégâts, mais je fais pas plus de dégâts. Et j'ai pas de quoi améliorer ma faux. Je pourrais balancer des trucs pour m'aider, des parchemins là. Genre je pourrais balancer les loups par exemple. Ou un sorcier. Oh, un sorcier. Parce que faut pas qu'il me focus et que je puisse le taper. Mais j'ai pas de popomana, alors faut bien que je calcule. Est-ce que je prends un parchemin? De toute façon, on a vu que c'était pas si pété que ça, les parchemins, ça, ça aide juste à tempo un peu au début. Mon sort, il me prend combien, lui? 20 en PC. J'ai combien en tout, moi? J'ai 90. 70. 70 PC. Pas besoin de ça parce que popo de mana, ça m'évitera d'avoir 10 000 trucs. Ça j'ai pas assez. 28, 15, 69 ça. Mais peut-être qu'un sorcier nob serait plus utile. Que ça, ils vont se bouffer la lave et c'est fini. Après lui il peut se bouffer la lave et c'est fini. Ou on balance les loups. On prend quoi les gars? Après ça c'est si je veux avoir un peu de mana au cas où c'est un peu... On a 5 nobles errants. On a un sorcier. On a 2 miliciens squelettes, mais honnêtement, c'est ça. Les squelettes, ils sont trop nazes. Je continue, je prends les loups et je les sacrifie. Attention. Bah non, je suis pyromage, moi. J'ai mis dans la foi. Et la foi, c'est le feu ou le heal. Mais j'ai pas le temps de me heal. C'est trop long, les sorts de heal. On va prendre les nobles. Hein. Peut-être que ça dure pas longtemps ça, mais j'ai pas fait gaffe, mais... Je peux pas... Le problème c'est que je peux pas regarder la durée... Je peux pas regarder la durée de mon truc. Enfin, je peux pas regarder ma barre de vie et en même temps. Oui, ils sont cons, ils marchent dans la lave, ces abrutis.
C'est pour ça que c'est de la merde leur truc. Parce que c'est une IA alliée, mais. Mais elle est conne, l'IA. Alors. Vous voyez, ils sont déjà tous morts. Hein. Donc au final, ils aident un peu au début, mais. Mais ça ne va à rien. Ah, d'accord. Le jeu a crash. Génial. Ah, génial. Ça va me faire une sauvegarde corrompue bientôt si ça continue. Génial. Oh là là. Ce jeu, si vous quittez en mode à l'arrache, vous pouvez perdre votre sauvegarde. Énervant, il faut vraiment qu'ils règlent leur bug. Est-ce qu'on va réussir? Oui, je sais qu'il faut pas quitter comme ça, j'ai pas fait exprès tête de nœud. Je sais pas, je te dis, je regarde pas trop les trucs de triche. Faut que je joue pas en ligne. Bon, au final. Au final, je sais pas si c'est pas plus utile de prendre. Le sorcier. Pas dans ce sens là, c'est dans l'autre sens. Ouf. Est-ce qu'on va y arriver? Hop, je remets tout bien, voilà, parce que... Wesh. C'est la merde. Hop. Et j'ai oublié de faire la... Ça. Ouais, bah, j'ai oublié de le faire avant, je suis emmerdée. Il est déjà mort, j'aurais dû le faire avant. Mais c'est n'importe quoi! Complètement zappé. Enfin, le crash, quand t'es dedans et qu'il y a un crash, t'es plus dedans après. J'ai du mal à te concentrer sur ce jeu alors. Et le problème du sorcier, c'est qu'il se fait focus et il est tout seul. Hein. Les parchemins, en fait, c'est pas ouf, hein. Ah, forcément, je me suis failli plusieurs fois d'affilée. Les parchemins, c'est même naze au final. C'est censé remplacer si t'es en solo, mais. Hein. L'IA est tellement à chier. Est-ce que je reprends les mecs? Peut-être que ceux-là sont plus résistants. Ah, j'ai oublié de faire ça avant.
C'est trop long à se mettre en place. Tous morts. En fait, ils vont dans la lave, c'est super stupide. Voilà. Et je pense que j'ai pas le niveau. Hein. Ça me paraît Tandax. Et le problème, c'est que je peux même pas l'approcher à cause de cette putain de lave. C'est mort. Parce que le problème, c'est que moi j'ai des sorts de feu, ça lui fait rien. Ou alors faudrait quand même que je fasse des sorts de feu, c'est toujours mieux que. Mais le problème, c'est que j'ai besoin de vie. Bon, on oublie les. Comme ça, c'est de la merde. Honnêtement, c'est de la merde, hein, les. J'utilise quand même des sorts de feu. On va essayer un dernier coup, voir, mais. Ça lui fait rien, hein. Il a pas pris de dégâts. Hein. J'ai l'impression qu'il a pris zéro dégâts. A plus Tevet, bonne journée à toi. Aïe aïe aïe. Mais il est beau, hein. Oh putain, mais là je suis emmenée avec lui, je peux même pas. C'est juste infâme parce qu'en fait la zone elle est trop serrée. Il avance, il te tape, il t'emmène avec lui, t'es bloqué. Et là j'étais même pas en animation de me relever qui m'a déjà remis un deuxième coup. Donc je pense qu'on a pas du tout le niveau quoi pour ici. Du coup, ici, je vais me mettre un marqueur pour qu'on se souvienne qu'on a un boss à faire, quoi. Mais c'est impossible. Ah merde, il faut que je remette mes fioles. C'est absolument impossible. Parce que j'ai même pas le temps d'en placer une, quoi. Il prend trop d'espace, et à moins que j'ai des ailes. Ou alors il me faudrait trouver un parchemin avec une aide volante, quoi. Peut-être qu'il y en a une dans le jeu, on verra. Ça me paraît compliqué, là. Désolé. Au moins, on a réussi à faire le raccourci et à faire la pieuvre. Par contre, j'ai perdu toutes les âmes que j'ai fait en faisant la pieuvre, mais j'ai pas envie de la refaire. Je sais pas si on peut la refaire. Je crois que oui, elle avait pas de grosse barre de boss. Ça, là où on a fait. Après on avance quand même petit à petit, mais j'ai du mal. Après il y a moyen de le réussir, mais faut être vraiment bon en fait. Faut vraiment arriver à esquiver, taper au bon moment et
Je me sens pas trop en... Je sais pas si là il y a quelque chose. Il y a du loup là, faut que je fasse gaffe. Un loup qui a les yeux qui brillent. Oula, pourquoi il a les yeux qui brillent? Pour rien. Ah! Il y a un club de loups. Il y a un loup alpha là-haut. Pourquoi il nous attaque pas? Oh, je les two shot maintenant les loups alpha. Y'a rien de particulier ici. Pour remonter. C'est bizarre des loups là comme ça. Toujours les chocobos. Ah ici ils ont les yeux qui brillent les loups. Ou alors c'est une mâche qui a fait ça. Il semblait pas qu'ils avaient les yeux. Un message. Ouais, je vois ça. Vous avez peur de me déconcentrer. C'est bon, je suis plus sur un boss. C'est bon, j'en ai eu marre. Là-bas, il y avait une grosse bestiole. Peut-être qu'on peut la faire maintenant. C'est vrai que des fois, c'est super chaud à niveau concentration pour les boss. Que à un moindre moment où tu... Il y a un moustique qui m'attaque. Putain, mais ils font trop mal et j'arrive pas à les shooter. Bon, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Je vais pas les avoir. Il va rien toucher. Putain de merde. Et attaquez votre putain d'ours là. Me faites pas chier. Ils sont cons ces loups. Ça fait chier parce que je veux l'ours mais les loups ils me cassent les bonbons. Alors qu'à la base je vais pour les aider hein, mais c'est l'ours qui m'intéresse.
J'arrive pas à choper l'ours parce qu'il y a tout. Oh putain. Mais c'est n'importe quoi, je suis en train de sauter. C'est abusé à la portée que les ennemis ont et nous la vieille portée de merde qu'on a quoi. Regarde, je le touche pas quoi. Autant je le cible et lui il me touche en un rien de temps, mais c'est tellement merdique leur hitbox. Et voilà. Là je voulais appeler mon cheval. Et ça a juste rangé mon arme. Ça me saoule. En plus la manette qui s'éteint, bah bien sûr. Ah c'est trop saoulant. Genre mon arme elle est passée 3 fois à travers son corps. Et lui il te met des trucs, t'es en train de sauter, ça te touche. Ça me fait repop ici en plus, vous foutez de la gueule. Il y a une hitbox de merde, mais c'est un truc de fou. On dirait la même hitbox que FF14 quoi, c'est à chier quoi. C'est quand même le plus important dans ce genre de jeu, la hitbox quoi. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Déjà qu'ils sont durs. Il est où le... Ah. Oh la sortie. On s'en fout des moustiques. On s'en fout des loups. On les laisse s'entretuer. De toute façon notre faux a touché à rien. En fait faut que j'attende qu'ils s'entretuent tous là. À chaque fois. Par contre c'est stylé notre faux. Hein. Avec notre bouclier. Allez, bute-les tous là, qu'on puisse passer à l'action. Après, il prend un peu de dégâts quand même par les loups, mais vite fait quoi. Les loups se font un peu rétamer. C'est bizarre, Red, il dit rien. Ils ont pas mis grand chose hein les loups. En plus il y a des chances que je gagne rien du tout à le faire. L'objet qui était derrière j'ai déjà piqué hein, depuis longtemps. Mais putain mais...
faire ça, attends. Ouais, casse-toi. Ouais, tout ça pour rien, il nous a rien donné. Putain. Les petites âmes. Il nous a absolument rien donné. La misère. Qu'est-ce que je vous disais, la misère. J'ai enlevé cette... Ah oui là. Ça on peut l'enlever. Fais chier, il te donne rien. La misère. Même pas d'objet rare, rien. À la place j'ai rien. Ici on avait fait hein. C'est juste le TP. Heureusement que j'ai réussi à le mettre au sol, je sais pas comment, mais j'ai réussi. Ça aurait été la merde. Je crois qu'on va aller commencer à aller vers le puits Siofra et le refaire demain. Le puits de Siofra. Non, demain c'est pas. Demain c'est. Ah. Ah bah non, il n'y en a plus cette semaine. C'est pas la semaine prochaine. Je stream pas dimanche. Non, j'en aurais mis dimanche, mais. Moi, je suis pas là dimanche. Et de Siofra, il est là. Voilà, la semaine prochaine, le puits de Siofra qu'on va essayer. On avait un gros boss qui nous attendait là-bas. Je crois que c'est là-bas ou c'était un... Je sais plus si c'était le cerf. Enfin, il y avait un magnifique boss à tuer. Qu'on n'avait pas fait parce que déjà les mobs, voilà. On les évitait, on ramassait les objets. Mais le puits de Siofra, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Il y a encore un autre... Il y a quelque chose sous l'ours. Merci. Il nous attaque pas. C'est absolument magnifique. J'espère que les petites sessions d'Elden Ring vous plaisent. Ça vous dérange pas que ça soit des petites sessions à chaque fois. C'est juste pour pas que je finisse en mode rage infinie parce que les jeux super énervants. Faut faire la petite dose avec moi. Et je vais là je vais me remettre en bas, vous allez voir. Ceux qui se souviennent. Bah sur ce jeu c'est chiant. En fait quand c'est ma faute ça me dérange pas, mais quand c'est genre tu vois t'as ton arme qui passe trois fois à travers un truc, c'est juste chiant. Quand c'est ma faute ok, mais c'est vrai que quand c'est la hitbox ou où t'as une perte de FPS ou... Tout ça parce qu'ils ont mal codé le truc, c'est chiant. Regardez le plafond, magnifique. C'est de toute beauté. Un monde sous le monde. Regardez, c'est beau, hein. Regardez la map. C'est plus la même. C'est plus la même. Et j'ai même mes marqueurs. Alors, ici on a le boss. Sacre-corne. Là, il y avait un truc apparemment. Il y avait un truc ici aussi que j'avais pas réussi à faire à grimper.
Il y a des ennemis super badass, je sais pas si j'ai le niveau pour les tuer maintenant. Et normalement ici je peux pas avoir ma monture. Ah quoi que si. C'est que pour descendre. À la limite je pourrais peut-être essayer de buter les petits. Il est où le feu de camp déjà ici? Il y en a un là. Non il y en a un là, mais je crois qu'il est en bas. Il y a encore un ascenseur. Et là, il y a plein d'ennemis. Et il y avait un truc en hauteur, un objet qu'on n'avait pas réussi à avoir. Après, il est quand même 13h30. Je sais pas, on avait commencé à quelle heure? À midi, quoi. De toute façon, c'est ça que je fais d'habitude, des sessions d'une heure. Mais je sais pas où est... Le truc, en fait, il est... Qu'est-ce qu'il considère comme le feu de camp? Ah là. Mais en vrai, ça va, hein, Ever. Par rapport à ma patience, ça va. J'ai pas de patience, moi. Je l'avoue, j'ai y a pas de patience. Peut-être qu'il y aura du poison ici. Et... Pourquoi je peux pas aller où je veux? J'arrivais pas à aller là, ça c'est quoi? Rejet. Repousse ses ennemis. Ça c'est bien, mais c'est le genre de truc que tu l'as pas forcément au bon moment quand t'en as besoin. Du coup, je sais pas quel jour j'en mettrai, peut-être mardi. Mardi ou mercredi, la semaine prochaine, je sais pas. On se fera le PC offra à nouveau. Alors si vous voulez voir la première fois qu'on l'a fait, c'est sur YouTube. Hein. De toute façon, je crois que j'ai appelé la vidéo PC offra, il me semble. Peut-être que celle-là s'appellera PC offra le retour. Ça fait comme dans les films. J'aimerais bien en mettre un peu plus sur le planning, mais ça dépend des jeux. Et le problème, c'est qu'on a pas mal de jeux. Parce qu'il y a l'event de Pâques. Peut-être que quand il n'y aura plus l'event de Pâques, j'en mettrai un peu plus. Oui. À voir. Sur SAR. Je sais même pas si la semaine prochaine, je vais pouvoir mettre du... du Ghost Midnight Ghost Hunt. J'attends encore qu'ils aient fait quelques mages. Mais comme c'est une early, voilà. Ils sont en train de retoucher à tout, donc... Étape Q. Demain matin, New World. Matin. Et on sera sur New World demain matin, hein, Patinitina. Et on chassera le lapin. Ensuite, Mass Effect 3. Et il y a le stream art demain. On va. Il faut que je prépare déjà. Je vais peut-être préparer les pochettes. D'avance, je vais voir les numéros là. On va commencer un nouveau diamond painting en espérant ne pas manquer d'une couleur parce que Célène elle avait pris le même et il lui manquait un peu d'une couleur donc. Pas 5 heures normalement. Souvent c'est 5h, 5h15 quoi, mais j'essaie le plus possible 5h. Je mets 6h au cas où que j'ai un retard quoi. Le plus possible. Avant le stream j'ai mes mails professionnels à checker. Ça arrive que des fois il y a des devs qui m'ont contacté donc c'est de les traiter en prio. Du coup moi je vais vous dire bon appétit, merci d'avoir été avec moi, merci de pas fuir quand j'ai mes moments salés. Encore là ça va.
C'est juste le... la hitbox qui m'a saoulé. Et je vous dis à demain 5h. Avec des bisous les chocobos. Et bon courage Xexa pour demain. Et des bisous. À demain.